to be Hello, on se retrouve un petit moment après cette journée, mes deux folies. Une journée en, en deux temps, enfin même en trois temps. Le matin, je travaillais. Le mercredi après-midi, nous sommes partis avec mes deux filles pour aller vers Paris à un événement organisé par Ozou. Pour les enfants, autour des romans de l'avant, mais aussi des activités de l'avant qu'ils peuvent proposer. Et le soir, nous sommes restés avec ma grande pour la soirée de lancement de Sophie Jomain pour son, sa romance de l'avant chez Ozu. Voilà. Donc c'était trop trop bien. Alors c'était l'une des dernières journées aux températures estivales, il faisait 27 degrés. Vite redescendu après pour euh, tomber sur des températures davantage de saison, je vous l'accorde. Et on fêtait Noël par, <laughs> par ces températures-là au mois d'octobre. Donc il y avait vraiment euh, des choses bizarres. Température d'été, mois d'octobre, c'est l'automne, et on parlait vraiment de Noël euh, deux mois après, plus de deux mois après. Mais voilà, c'est le moment où on reçoit euh, les, les livres de Noël, les comédies romantiques de Noël, les romans de l'avant. Et. Euh, voilà, c'est le moment où ces livres sortent, après chacun est libre de les lire quand il souhaite et alors en l'occurrence, euh, comme on parle de romans de l'Avent, de romances de l'Avent et donc de, de livres de l'Avent en général, ce sont des livres que je lirai du 1er décembre au 24 décembre, enfin qu'on lira, ce sont des livres qu'on lira à la maison du 1er décembre au 24 décembre. Alors, je commence par l'événement euh, de l'après-midi qui était euh, super chouette. Alors, ça faisait un moment que, que je, je qu'il n'y avait pas eu en fait d'événements euh, euh, autour des activités créatives au zoo. Euh, on en avait fait plusieurs avec euh, ma fille aînée quand elle était plus petite. Et euh, j'avais oublié à quel point c'était super en fait. Les activités créatives aux zoo, c'est vraiment pour moi des activités euh, incontournables. Euh, déjà parce qu'elles sont très nombreuses pour différentes tranches d'âge, pour filles et garçons. Alors il y a davantage pour filles euh, dans le sens où euh, euh, on a euh, beaucoup de bijoux, beaucoup de princesses, etc. Alors bien sûr, bien sûr, un garçon peut aimer les bijoux, peut aimer les princesses, mais c'est plus souvent quand même les filles donc euh, pour mon fils qui n'était pas euh, très euh, bijoux princesse mais plus euh, pirate par exemple il y en a il y a des activités mais un petit peu moins voilà mais ils ont quand même un énorme choix à des prix tout à fait abordables ce qui fait que bah, pour offrir à mes propres enfants bah c'est top hein et puis aussi pour offrir lorsque les enfants sont invités à des anniversaires euh, bon là ils grandissent petit à petit euh, ça disons pour ma grande de 12 ans, on le fait un petit peu moins mais pour ma dernière de 7 ans, bah c'est tout à fait euh, possible d'offrir euh, un petit coffret avec euh, pour pouvoir faire un bijou et puis on ajoute un livre par exemple. Donc euh, voilà, c'est des prix tout à fait abordables donc euh, donc c'est quand même un, un un avantage non négligeable et puis c'est ce sont de super activités. Et alors là Bon il y en avait plusieurs qu'on connaissait, des styles euh, on a fait une boule de Noël, euh, une, une couronne, en papier, en origami, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, euh, Quelque chose qui ressemble au sable image, alors sable image n'est pas euh, chez, euh, chez Ozu, mais un peu le principe de décoller euh, des, des petits morceaux euh, de. de... Je sais pas d'un personnage par exemple d'un d'un paysage euh, sur une planche cartonnée quand on décolle ça libère une surface collante et euh, dessus eh bien on peut mettre du sable alors en l'occurrence on était sur euh, sur euh, des activités euh, festives créatives de Noël donc euh, c'était plutôt des paillettes et euh, et voilà ça faisait des des chouettes tableaux etc donc voilà toutes toutes ces activités étaient très très chouettes mais mention spéciale l'activité décoration sur les vitres c'est trop bien et euh, ça faut que je l'achète parce que parce que c'est clair qu'on va on va beaucoup beaucoup le faire euh, pour, pour la période de noël donc c'est un coffret dans le coffret on a des, des feutres exprès pour pouvoir écrire sur les vitres ça s'efface très facilement c'est à dire que même avec un mouchoir sans un, un mouchoir en papier sans, sans l'humidifier on arrivait déjà à bien faire partir. Donc si on met de l'eau, ça part encore mieux. Si on met du produit à vide, c'est encore mieux. Mais euh, en tout cas, ça part vraiment très, très facilement. Donc ça, c'est très, très bien. <laughs> Et il euh, y a plusieurs paysages, plusieurs euh, dessins, plusieurs illustrations. Donc par exemple, euh, plein de petites maisons les unes à côté des autres. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait euh euh, des, des animaux, je pense, euh, je, je pourrais plus vous dire lequel je crois qu'il, lesquels je crois qu'il y avait une chouette, je, je sais plus exactement, mais bon voilà, il y avait plein de, de décors un peu de Noël euh, sur des papiers, euh, les feutres, il y en avait un doré et un bleu euh, euh, qui brille, et euh, et du coup sur les papiers, bah, il y avait les mêmes couleurs, et donc il suffit de mettre le papier sur la vitre extérieure, et puis de, de repasser dessus parce que forcément on a une belle euh, luminosité et ça permet de décalquer. Donc on repasse dessus mais sur la vitre intérieure. Ensuite on repasse à l'extérieur, on enlève ce, ce, le papier qu'on a euh, scotché sur la vitre. Il ne reste donc plus que le dessin et c'est trop trop. Et je trouve que c'est vraiment adapté à, à pas mal de tranches d'âge. Bon, bah là, ma grande de 12 ans, forcément, elle arrive à faire des traits droits, etc. Euh, ma dernière de 7 ans, c'est un peu moins précis. Mais euh, ils sont quand même guidés et donc euh, ils vont essayer de faire au mieux pour euh, décalquer. Et quand on enlève le papier, je trouve que le rendu il est il est vraiment top en fait. C'est très bluffant. C'est c'est euh, enfin ça a un côté un peu pro quelque part. Enfin euh, je je trouve que la qualité le, le résultat est, est d'une super chouette qualité alors après bien sûr avec les feutres ils peuvent aussi euh, s'amuser à faire des dessins à, à, euh, comme ils le souhaitent en fait sans forcément respecter euh, euh, ces, ces différents motifs mais, euh, mais en respectant les motifs ça ajoute quelque chose ça fait j'ai trouvé ça très classe très très classe euh, donc ils ont testé en fait sur le lieu hein, de, ils ont ils ont fait des, pas mal de dessins comme ça et euh, et comme je vous dis moi je, je vais acheter ce coffret parce que je le trouve vraiment très chouette très bluffant donc nous sommes conquises. Et, euh, et puis alors, bah, il y avait un, un super goûter euh, avec du pain d'épices, euh, des brioches dans une eau praline rose, euh, des petits, euh, enfin, des, des gâteaux euh, au chocolat, euh, pff, je ne sais même plus ce qu'il y avait, du pop-corn, des M&M's etc. Plein de boissons, dont du jus de clémentine, du chocolat chaud. La dernière a été trop contente du chocolat chaud, euh, c'était trop, trop chouette. donc voilà, on était extrêmement bien reçus. Euh, L'équipe d'Ozu avait une, une énorme patience avec les enfants. Alors, globalement, les enfants étaient sages et faisaient les activités. C'était assez silencieux. Euh, enfin, il y avait de la musique de Noël, mais en tout cas, c'est... Enfin, euh, on n'était pas euh, sur un après-midi avec des enfants qui chahutaient et tout, pas du tout. Mais derrière, euh, il n'empêche que l'équipe d'Ozu était, euh, était une gentillesse, mais au petit soin pour eux. Euh, et et, et c'était hyper appréciable, c'était hyper gentil et tout ça. Et au pied du sapin, euh, parce qu'il y avait un sapin de Noël, <laughs> tout était décoré pour Noël. Au pied du sapin de Noël, il y avait euh, des livres emballés avec des tranches d'âge indiquées dessus. Un auteur était présent. Il s'agit de Maxime Gilliot, euh, que alors on connaît, mais on connaît parce qu'il y avait cet événement en fait. Euh, on savait que l'auteur serait, cet auteur serait présent. Il est l'auteur de l'un des romans de l'avant, d'ailleurs que nous n'avons pas parce que ça n'allait pas avec la, la tranche d'âge des enfants. Et en fait, en se renseignant un petit peu, eh bien, on s'est rendu compte que c'était l'auteur d'un livre qui s'appelle Cellule 24. Euh, pour collégiens ou fin de primaire, euh, sur la, la couverture, c'est indiqué euh, euh, collégien le jour, espion la nuit. Et donc, euh, bah, je l'ai pris pour ma grande, en fait, en prévision de, de ce moment-là, même si c'était pas euh, euh, du tout un événement sur ce livre. Mais euh, bon, c'était c'était l'occasion de voir l'auteur, un livre édité chez Ozu. D'ailleurs, on a, il existe un tome 2 euh, que qu'on a également que ma grande n'a pas encore lu. Donc, elle a lu ce, ce premier tome, elle l'a adoré et donc elle a pu le faire dédicacer à l'auteur et ça. C'était trop, trop chouette. Et donc, euh, des romans de l'Avent euh, ont été offerts aux filles. Alors, il y en a beaucoup, euh, des romans de l'Avent, cette année. Et c'est très, très chouette. Alors, on a celui-ci. À partir de 7 ans, La magie de Noël. Euh, écrit par Mathilde Paris. Et donc, sinon, on a tout cela. Alors... Euh, je vous les montre mais je ne les vois pas. Et si je bouge, je perds le focus. Alors, il faut que je regarde sur un autre. Le concours du Père Noël, justement, c'est celui écrit par Maxime Gilliot. Le règne mystérieux, je vous le montre après à partir de 7 ans. Après, on a... Euh, mince, je ne reconnais pas celui d'après. Euh, L'immeuble enchanté. L'immeuble enchanté. Euh, Est-ce qu'on l'a celui-ci Oui, on l'a. Donc il doit être à partir de 7 ans. Euh, celui-ci et celui-ci, euh, mes deux grands les avaient l'année dernière. Euh. Euh, celui-ci, je crois que c'est pour plus petit. Ce, ces deux-là, ça doit être pour plus petit. Celui-ci, c'est pour plus grand à partir de 8 ans, mais genre euh, de 8 ans à 12 ans. Et puis la romance de Noël de Sophie Jomain dont je vous parle après, Un cœur pour Noël qui est à partir de 12 ans. Donc je crois que l'un des deux doit être à partir de 5 ans et donc à lire avec les parents, ce qui fait que ça accompagne l'enfant euh, ça enfin ça on commence à partir de 5 ans jusqu'à jusqu'à adulte en fait. Donc cette année, il y a énormément de choix dans les romans de l'avant et c'est génial. C'est quoi un roman de l'avant chez Ozu? Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je me répète si jamais vous ne me connaissez pas, si, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes. Eh bien, un roman de l'avant, c'est euh, un, un roman qui a un chapitre par jour du 1er au 24 décembre. Et quand on achète le livre, les chapitres sont scellés. Ils sont fermés. Voilà. Ils, alors ils sont fermés, vous voyez. Il y a des petits pointillés. Et donc, eh bien, euh, donc là, on, on vous explique, on, dit, on vous dit bienvenue. Et donc là, vous allez avoir votre premier chapitre. Et donc le 1er décembre, vous allez ouvrir votre chapitre comme quand vous allez ouvrir votre case de votre calendrier de l'avent chocolat. Bien là, vous allez ouvrir votre chapitre donc euh, avec, soit vous découpez avec une paire de ciseaux, soit avec un petit. Moi j'ai des petits réglets. Euh, J'aime pas les règles que je trouve jamais assez précises pour faire des traits. Donc j'ai un réglet en en métal très plat et, euh, et donc du coup c'est pas mal pour ouvrir euh, pour ouvrir ça. Bon, si votre enfant est petit, vous pouvez le faire pour lui. Et donc, euh, après, ça se détache, ce sont des pointillés, hein, ça peut se détacher. Donc, vous ouvrez votre chapitre, à l'intérieur du chapitre, eh bien, il y a quelques pages. Voilà, on a quelques pages à l'intérieur du chapitre. Vous lisez le chapitre, vous vous dites, oh, trop bien, c'est hyper intéressant. Vivement demain. Demain, le 2 décembre, on lit un chapitre, etc., etc. Donc, euh, nous avons pour ma dernière la magie de Noël, donc de Mathilde de Paris, comme je vous le disais. Les meubles enchantés, écrit par Magdalena, qui est une autrice que j'adore déjà parce qu'on porte le même prénom et et, euh, et voilà, et c'est très chouette. J'adore voir en salon parce que justement, on se retrouve entre Magdalena. Et et c'est l'autrice de toute la série qui est quand même super connue. Je suis en CP, je suis en CE1, etc. Il y a aussi maintenant je rentre en CP. Enfin, c'est quand même une série qui a accompagné beaucoup d'écoliers qui, qui débutaient en lecture. Donc, euh, donc voilà. Donc elle est l'autrice de celui-ci, euh, l'immeuble enchanté. Euh, chez Ozu, les designs sont toujours je, trop trop beaux. Vraiment, on est sur du haut niveau niveau design. Et ma dernière celui-ci, le Reine mystérieux, écrit par Natacha Godot. Pareil, encore une fois, euh, super beau design, euh, couleur trop trop belle. Euh, ma grande a. Ah. Euh, enquête à Christmas City de Pascal Brissy, qui est un auteur qu'on doit connaître parce que, enfin vraiment, son nom nous dit quelque chose. On ne sait plus exactement ce qu'il a écrit. Et, euh, et voilà, de la même façon, enfin bah, même principe hein, pour tous les livres. Mais comme là on est sur euh, une tranche d'âge au-dessus, eh bien euh, il est plus épais parce que euh, on va avoir plus de pages par chapitre. Moi, je trouve le principe génial parce que c'est euh, bah parce que le, le mois de décembre c'est euh, c'est justement avant Noël alors avant pas A V E N T mais A V c'est toute cette période là c'est c'est magique quelque part en en fait on se prépare pour euh, pour le moment de Noël et euh, se préparer avec des livres c'est c'est juste trop bien. En plus le principe c'est c'est en tout cas ce que ce qu'on nous a expliqué, que ce soit côté éditeur ou euh, eh bien côté euh, auteur. Euh, L'idée c'est quand même d'avoir euh, des intrigues qui peuvent se passer sur une journée et qui donnent envie de lire la suite. Et... En fait, ça me fait aussi penser à euh, ce qu'il y a dans certaines écoles, euh, le petit moment de lecture, comme... Euh, alors, enfin les noms sont différents selon les écoles, mais euh, silence, on lit, chouette, lisons. Enfin, voilà, il y a plein de, de noms comme ça sur, sur le, le petit quart d'heure de lecture euh, euh, imposé euh, pour les petits et grands dans, dans les établissements scolaires. Et euh, ce, que, ce qui est extra, en fait, et, et l'idée, c'est que les enfants lisent, lisent leur livre un quart d'heure dans... Dans la journée, le, leur temps de lecture soit à la avant la récré de l'après-midi. Enfin euh, voilà, il y, y a des moments différents. Et euh, le principe, c'est pas bah, de, ils lisent en classe et puis bah ils ont très très hâte du coup de retrouver leur livre, soit le soir chez eux, soit le lendemain à nouveau en classe, etc. Et donc ça peut aider certains à accéder à la lecture si euh, s'ils si, si étaient pas arrivés jusque là. Euh, euh, voilà. Et euh, je trouve que le roman de l'avant, pour moi, c'est un peu le même principe parce que euh, on a euh, comme ça euh, juste un chapitre et, euh, et, et et je alors pour les très bons lecteurs c'est juste génial mes enfants sont, sont vraiment bons lecteurs donc euh, ce principe là ça fonctionne et puis ils vont lire leur chapitre mais à côté de ça ils auront d'autres livres à côté parce que le chapitre ne leur suffira pas dans la journée mais pour un enfant qui est pas très bon lecteur ça intéresse pas et tout là l'idée c'est vraiment de réussir à l'accrocher sur la journée euh, donc euh, avec son chapitre de la journée pour pouvoir y retourner le lendemain et voilà et donc, c'est le principe est juste génial, y compris pour les enfants qui n'aiment pas lire, parce que ça pourrait les titiller en fait, voilà. Alors, par contre, euh, je ne pourrais pas lire un roman de l'avant, à un autre moment, que qu'en décembre, c'est écrit sur les chapitres, euh, 10 décembre, 15 décembre, voilà, donc on a bien la date, et euh, je ne pourrais pas le lire autrement, enfin, pour moi, ça gâcherait. Le, le principe, le concept du roman de l'Avent. Après, tout le monde est différent. Je sais qu'il y en a qui à la peine les ont eus, euh, les ont lus tout de suite, etc. Mais non, pour moi, ça fait partie du jeu. C'est la partie de la magie, de la magie de la lecture, de la magie de Noël. Donc, euh, je n'ai pas envie de tricher. Euh, surtout que pour ma part, j'en ai euh, j'en ai qu'un seul. Et c'est mon premier roman de l'Avent. Et euh, et voilà. Donc, on va justement passer à à la suite. Alors... Une fois cet après-midi terminé, eh bien, euh, on a laissé euh, ma dernière à mon mari et et à mon fils. <laughs> et euh, nous sommes restés avec ma grande pour... Euh, alors, on s'est baladé euh, pendant un petit moment, et puis euh, ensuite, bah, c'était l'heure de se retrouver autour de Sophie Jomain, qui avait déjà fait une apparition l'après-midi, euh, pour et euh, euh, eh bien, échanger, discuter, et euh, faire des activités, parce que voilà, Ozu, euh, comme on le disait, euh, super bon sur tout ce qui est activités manuelles et créatives, et là... Euh, L'activité qui nous a été proposée, c'est de faire une couronne de Noël euh, avec des, des vraies feuilles et tout ça. Euh, donc, c'était pas forcément évident à faire, euh, mais euh, c'était intéressant de, de, bah, de connaître la technique. On avait un, une, une couronne vide et, euh, et donc on a pris nos différents morceaux de feuilles et tout ça. On les a accrochés avec des, des petits morceaux de, des, des petits, euh, oui, des petits bouts de fer en fait. Et, euh, et puis euh, et puis bah, si on, on avait enfin tout était bien installé pour chaque personne sur chaque euh, à chaque place puis il y avait une grande partie si on voulait ravoir euh, euh, du feuillage et tout ça tout était euh, à disposition c'était vraiment extra une fois que ce moment s'est euh, terminé, eh bien, euh, nous avons mangé. Il y avait plein de petites choses à disposition, de la charcuterie, du fromage, euh, et puis après, des, une partie dessert. Euh, et puis, euh, il y a eu une, une intervention de Sophie Jomain euh, pour nous parler de sa romance de l'avant avec son éditrice. Alors, plein de choses à vous dire, du coup <laughs> Donc Sophie Jomain, euh, c'est une autrice que j'ai découverte avec ce livre chez Charleston, les étoiles, les étoiles brillent plus fort en hiver. Ce livre est un de mes livres préférés pour Noël. C'est une de mes comédies romantiques préférées. Sophie Jomain, elle n'écrit pas une comédie romantique euh, de Noël euh, vide. Enfin, il y a, et elle l'écrit de toute façon dans ses livres, il y a toujours, toujours des sujets qui sont importants. Les personnages sont toujours très bien creusés euh, au niveau de la psychologie, mais enfin, oui, ils sont très bien creusés au niveau de la psychologie, mais il y a toujours des difficultés et donc c'est encore plus remarquable d'avoir aussi bien euh, décrit les personnages en fait. Les, les, les sujets sont toujours forts. Euh, alors certes, on peut avoir une romance, etc. et c'est super chouette, euh, c'est super agréable pour Noël, enfin moi en tout cas c'est ce que je cherche, mais derrière on a d'autres choses en fait. C'est pas juste une romance pour une romance, Écrit, à euh, la va-vite et euh, lu à la va-vite. Non, ça va au-delà et euh, et voilà, du coup je trouve que c'est euh, très appréciable. <laughs> Et donc celui-ci, eh bien, c'est l'un de mes livres préférés, Les étoiles brillent plus fort en hiver, que je vous conseille vraiment totalement. Donc, quand j'ai su que, eh bien, les romans de l'avant qu'on avait découverts euh, l'année dernière euh, pour les enfants, euh, moi je bavais dessus. Quand j'ai découvert que ces romans de l'avant, eh bien, allaient être euh, euh, adapté en tout cas qui allait en avoir un un titre pour adultes j'étais mais, mais ravie alors c'est même pour young adulte hein. donc on est euh, comme je vous le disais euh, euh, sur un livre à partir de de 12 ans donc on est comme ça sur du young adulte, euh, on est sur une romance de l'avant et en plus l'autrice c'était Sophie Jomain, mais alors là mais mais, mais euh, pff, le, le combo gagnant quoi c'était trop trop chouette enfin je, je vraiment quand quand j'ai su ça mais c'était juste parfait. La couverture de ce livre est magnifique vraiment elle est superbe exactement tout ce qu'on aime pour euh, pour Noël. Je vous laisserai découvrir la quatrième de couverture. Hein. Un cœur pour Noël, on est sur des sujets euh, qui peuvent paraître légers, mais pas que, hein, pas que, il est euh, assez épais, donc on va avoir quand même euh, pas mal de, de pages à lire. A priori, de ce que j'ai compris, on est sur à peu près le même nombre de mots qu'un livre, qu'un roman classique. Voilà, sauf qu'il va être découpé sur 24 jours. Alors moi un livre comme ça je le lis en, en une journée euh, ou deux soirées. Bon bah voilà, ça va être découpé en petits morceaux, donc bien sûr qu'il y aura d'autres livres qui m'accompagneront. Mais euh, je, je suis, euh, j'en suis plus, plus que ravie de, de, de ce livre, j'ai vraiment extrêmement hâte. Extrêmement hâte. La soirée était extrêmement bien, comme je vous dis, ma grande était là. Euh, euh, Sophie a, a a dit plusieurs choses qui m'ont beaucoup touchée, soit pendant justement euh, la présentation euh, euh, du livre, euh, parce que elle a dit plusieurs choses qui sont tout à fait euh, euh, adaptables euh, pour un enfant qui était, enfin bon, bref, ça m'a ça beaucoup touché. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Et puis euh, et puis on a échangé, euh, on a échangé à plusieurs reprises et, et de la même façon. Euh, de la même façon, j'ai été très touchée par ce qu'elle m'a dit. Voilà, donc c'était une, une excellente soirée. J'ai retrouvé plein de copains euh, d'Instagram et, et ça, c'était très, très chouette aussi. C'était... L'équipe d'Ozu était, euh, pff, était euh, comme elle avait été au petit soin l'après-midi pour les enfants. Elle était au petit soin pour nous le soir. Vraiment, euh, je... Je m'en souviendrai longtemps. Enfin, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque événement, mais euh, mais euh, chaque événement est à chaque fois est, est, est très différent en fait. Euh, c'est pas euh, 50 000 fois le même événement, sinon je me lasserais. À chaque fois, c'est très différent, différent par les ambiances, différent par les maisons d'édition, différent par les auteurs, euh, différent par les personnes présentes aussi, euh, par les personnes invitées. Et, euh, et là, enfin vraiment, moi ce que je garderai en tête, c'est qu'on a réussi à avoir des événements littéraires avec des ambiances de Noël alors qu'il faisait 27 degrés dehors et c'était totalement crédible on y a cru et elles ont mis le paquet enfin, ils ont mis le paquet pour que pour que l'ambiance de Noël soit là et on l'a tout à fait senti euh, c'est les principes des romans de l'avance, c'est juste trop bien. L'équipe les, les, d'Ozou était mais, mais une gentillesse incroyable. Et puis que ce soit Maxime Gilliot ou Sophie Jomain, deux auteurs super chouettes. Et euh, voilà, on est on est reparti avec euh, vraiment euh, les, les pour moi deux forces d'Ozou, euh, la partie créative. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et les activités créatives, on en a toujours beaucoup fait avec les enfants. Moi-même, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, très très bien. Même si faire des couronnes et tout, c'était super compliqué, mais... C'est pas si évident, mais euh, voilà. Et puis euh, l'autre force ben, eh bien, ce sont bien sûr les romans, les titres qu'il propose là pour les romans de l'avant, mais plus généralement les titres qu'il propose sur différentes tranches d'âge à partir du moment où votre enfant, même avant la lecture, parce qu'ils sont des chouettes albums aussi, mais dans les premier livre euh, de, pour, de lecture pour les enfants. Ils sont vraiment super bons euh, chez, chez Ozu. Ils ont vraiment pas mal de titres qui sont très très chouettes. Et, et, et ça accompagne l'enfant. Et bien après jusqu'à jusqu'à certainement des livres adultes euh, derrière, euh, alors qu'on ne trouvera pas chez Ozu, mais en tout cas toute la partie de, de, du début de la, la lecture jusqu'au passage aux livres pour plus grands, Ozu accompagne euh, avec vraiment euh, euh, beaucoup de livres pour, euh, pour euh, toutes les tranches d'âge. Et voilà, ça c'est pour moi la seconde force d'Ozu. Voilà, même s'il existe aussi la partie Ozu jeu euh, qu'on commence à découvrir et tout, mais euh, vraiment côté créatif et côté livre, c'est parfait. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, petite précision d'ailleurs, petite précision assez importante, les romans de l'Avent sont en rupture de stock. C'est-à-dire que euh, les... il n'y en a plus chez Ozu. Tout ce qu'ils ont est distribué euh, tous les livres sont déjà dans des librairies etc etc donc euh, ça veut dire que si vous envoyez si vous êtes intéressé et que vous allez en librairie et que vous envoyez un prenez le tout de suite parce que vous n'êtes pas euh, sûr de le retrouver plus tard parce que il euh, n'y aura peut-être pas le temps qu'il qu soit réédité à temps pour le premier er Voilà! Eh bien écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt